Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. N'hésitez pas à tous abonner. Cliquez là sur abonner pour activer la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que vous regardez cette vidéo. Et merci beaucoup de vous être abonné. Si ça n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et laisser un like également. Mes frères et sœurs, c'est quoi un prank? Un prank là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme une blague, n'est-ce pas? Ou peut-être... Mais voici ce qui se passe généralement dans les pranks. Je suis sûr que vous savez. On peut voir un homme qui fait croire à sa femme qui la trompe. Est-ce que vous voyez? Genre, ou bien une femme qui fait croire à son homme qui le trompe. Vous voyez? C'est bien. Tout ça, c'est pour faire quoi? Quelqu'un m'a dit que tout ça, c'est du divertissement. Ok, c'est bien. Mais voici un truc qui va se passer un jour. Dans un prank, un homme va mettre, va acheter un soutien-gorge, le soutien-gorge des femmes. Et il va mettre ce soutien-gorge-là dans son sac. Est-ce que vous voyez? Et il va inviter sa femme à fouiller dans le sac. Et elle va tomber sur ce soutien-gorge. Que va-t-il se passer selon vous? Que va-t-il se passer? Quand cette femme-là va tomber sur ce soutien-gorge-là, voici ce qui va se passer. Elle va se mettre en colère. Elle va se mettre dans tous ses états. Donc tu me trompes. Donc tu me trompes. On est ensemble, on vit ensemble et tu me trompes. Il dit non, que ça, ce n'est pas à lui ce soutien-gorge. Tu dis quoi? Ce n'est pas à toi, mais ça à qui? Ce n'est pas à toi, mais ça à qui? Ça à qui ce soutien-gorge là? Ah! Et voici que ça va donner une longue discussion. Et ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est que la femme, cette fille-là, elle a eu à porter main à son mari. Elle a giflé carrément. Ah! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais dans quel monde sommes-nous? Quel que soit ce qui arrive dans un foyer, là, que la femme ne porte jamais main à son mari. Tu as vu ça où? Qui t'a appris ça? Et dans ce prank, nous avons... Dans ce prank-là, on a vu clairement le comportement de la femme. Ou comment peut réagir cette femme en réalité. La femme avec qui tu es, là. Dans un prank comme ça, hein, dans une sorte de blague, là, on peut voir clairement le vrai comportement même. C'est celui avec qui on vit. Et c'est clair. Ah! Elle a giflé. Tu me trompes. Pourquoi tu me trompes? Elle a giflé. Elle a giflé. Lui, c'est une blague. Mais il voulait aller en profondeur pour voir encore de quoi est capable la femme qui lâche lui. La femme même avec qui il est prêt à passer toute sa vie là. Il voulait maintenant voir ce qu'elle a dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur en réalité? Il voulait maintenant voir. Et il a laissé le jeu se passer sans lui révéler que c'était un prank. Au fur et à mesure, elle commençait à se dévoiler. Elle était dans tous ses états parce que cet homme l'a soi-disant trompé. Tu as giflé ton mari comme ça? Qui t'a montré ça? Où tu as vu ça? Elle a carrément giflé. Elle a carrément porté. Elle lui a porté main. Ah! Ton mari. C'est quoi ça? Et au final, il a vu que c'était trop. Il a dit de se calmer. Parce que si lui veut réagir comme elle, pour moi, c'est pas bien. Il lui a dit de se calmer. C'est un prank. C'est tout, c'est un prank. Elle dit, comment ça, c'est un prank? Tu fais un truc bizarre, qu'est-ce que pour que c'est un prank? Il dit, mais regarde, la caméra est là. Elle dit, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez, c'est dans ces histoires de jeux d'amusement là qu'on découvre beaucoup de choses. On découvre tas de trucs comme ça sur le comportement des conjoints, le comportement de celui avec qui vous marchez.
Est-ce que vous voyez? Et ça, ce n'est que le début. Vous savez que sur YouTube, par exemple, il y a beaucoup de pranks. Nous allons réagir de cette façon sur d'autres pranks qui sont à venir. Pour vous dire clairement des choses qui ont mal tourné là-dedans. Soyez prêts. Soyez prêts! C'est pourquoi nous vous demandons directement de vous abonner, d'activer la cloche et de nous dire clairement ce que vous pensez de ce prank. Comment allez-vous réagir si c'était vous? Vous venez à la maison, vous trouvez un soutien-gorge. Un soutien-gorge d'une autre femme. Ah, qui n'aimait pas votre taille. Ce soutien-gorge se trouve où? Dans le sac de votre copain ou de votre mari. Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez porter main à votre mari? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. C'est dangereux. Quel que soit ce que votre mari va vous faire, restez calme. Ne réagissez pas de la sorte. Je compte sur vous pour vous abonner. Et vous pour la prochaine vidéo. Prends le vote. Let's go. Réaction.